Cette semaine, on va lire la paracha de Harebot. C'est une paracha très connue parce que c'est la paracha qu'on lit à Yom Kippour. La première partie, on la lit le matin, la deuxième partie, on lit l'après-midi. Et bien sûr, à l'intérieur de cette paracha, il y a la que le Kohen Gadol faisait au Bet Amigdash à Yom Kippour. Et parmi le service que le Kohen Gadol devait faire au Bet Amigdash, il devait prendre deux boucs et faire un tirage au sort, un pour le Bet Amikdash, un Echad Lachem, et un deuxième qu'on envoyait la Azazel. Alors euh, c'est marqué dans la Torah que les deux boucles devaient être identiques, le même âge, le même aspect, la même grandeur, la même couleur, ils devaient avoir des points de ressemblance euh, tout à fait identiques. Et on faisait, le Cohen faisait un tirage au sort, un Lachem, le premier on le prenait et on le sacrifiait au Betta et on prenait son sang, l'aspergeait sur la parochette, ça rentrait dans le Kodesh à Kodashim, et le reste est passé sur le Misbéar. Le deuxième restait en vie, en retrait, entre-temps que le Kohen Gadol préparait le premier pour le Betta Migdash. Une fois qu'il avait fini le service du, deux, du premier, on prenait le deuxième, on l'amenait en dehors du Betta on le faisait monter dans les montagnes près de Hirushalaim, et là-bas, c'est là-bas. Quand le poussait dans, euh, dans la bible et le bien sûr le bouc n'a pas, pas d'intelligence il n'a pas la possibilité de réfléchir il n'a pas la possibilité de dire son avis mais euh, si on se mettait un peu dans la tête euh, du bouc qui était choisi pour euh, la zazel il aurait pu se dire voilà mon collègue qui a été choisi la HM, c'est vrai qu'il a eu le mérite d'être sacrifié sur le Mesbéar, de rentrer dans le Kodesh à Kodashim, sur la Parochet, mais en fin de compte, il a sacrifié sa vie pour ça. Moi, au moins, je suis resté en vie. Et le Kohen allait le prendre après, le faire monter dans les montagnes de Yerushalayim. et il va se dire, voilà, j'ai la liberté, j'ai tout ce qu'il faut, on me fait monter dans les montagnes. Il arrivait au sommet dans la montagne, il voyait un panorama magnifique devant lui. Il aurait pu regarder à ce moment-là avec mépris envers son ami qui est resté au Beth et qui a été sacrifié là-bas, et lui au moins il avait la liberté. Mais malheureusement, toutes ces illusions vont très vite se fracasser une fois que le Cohen va le pousser et il va descendre sur les rochers, il va finir evarim evarim pièce en pièces en pièces et il va être entièrement, il va être entièrement mort. Et une mort vraiment pas du tout euh, ce qu'on en a vu dans aucun korban. Et c'est un peu l'idée qu'on peut sortir de cette paracha Il peut y avoir deux personnes et un qui, qui se sacrifie pour la Torah, pour la vodatachem et son ami que lui qui reste en retrait. Il a l'impression que celui qui a été qui s'est sacrifié pour Akadosh ou pour les mitzvot, c'est comme s'il a perdu une partie de sa vie. C'est comme s'il s'est donné. D'un autre côté, lui, il est persuadé d'atteindre la liberté, d'atteindre euh, le grand monde et d'avoir tous les plaisirs, mais il va s'en rendre compte très vite, de, dès qu'il va arriver au sommet de ses illusions, que tout va se fracasser et qu'il va rester plus rien. Voilà le moussard qu'on peut prendre de cette parachute.